C'est bon, il est, c'est en train d'être enregistré, c'est parfait. Donc bonjour à tous, bienvenue à la session de IHL Recap donc pour les maths en français, première session. Alors donc le, le premier chapitre qu'on va voir aujourd'hui donc c'est euh, donc euh, moyenne et sigma. Euh, je sais pas pourquoi le titre est marqué en anglais, ne va pas pour ça. Donc alors, il faut savoir qu'il y a euh, deux types de moyennes. Donc il y a la, euh, la moyenne arithmétique. Il s'agit donc de, euh, de la somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs. C'est celle qu'on utilise pour les notes. C'est euh, euh, le type de moyenne le plus utilisé. Et ensuite donc il y a la moyenne pondérée. Donc ça ce sera, euh, ce sera utilisé si on a euh, plusieurs données avec différentes euh, variantes. Là ici on a on a utilisé un petit exemple, par exemple 12 personnes qui mesurent 176 cm et 5 personnes qui mesurent 171 cm et, et donc voilà, donc on multiplie le 12 par, par le 176 et le 5 par le 171, on additionne les deux et on divise ça par donc, le nombre total de valeurs, à savoir donc 12 plus 5, ce qui on, on obtient donc 174,5. Excuse-moi, oui. euh, je crois que tu n'as pas mis le. Enfin, Alors, on ne je... voit pas quand tu changes de slide. <laughs> Quoi On ne voit pas quand tu changes de slide. Enfin, je sais pas si c'est que moi, mais euh... Et on est sur la première slide de titre. Tu n'as pas mis en mode présentation chez nous. Ah bon Au pire, essaye de refaire ah, le partage. Vrai, je sais pas pour si... euh, ouais. C'est vrai que si je parle de temps de vie depuis tout à l'heure, c'est un peu moyen. Eh bah, ben écoutez, on va, on va essayer comme ça. C'est mieux comme ça Ouais, là, je vois. Là, c'est bon, je crois. C'est bon pour tout le monde Bon, je pense à pas en Donc euh, est-ce est qu'il y a besoin que je réexplique ou pas Une minute. Ouais, je, je, vais, je vais quand même réexpliquer ré un peu. Donc la moyenne arithmétique, celle qu'on utilise le plus souvent, d'habitude, qui est par exemple utilisée pour le calcul des notes. Donc c'est la somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs. Et ensuite il y a la moyenne pondérée. Ça, ici, donc euh, on, on a créé un petit exemple. Ici, il va donc suffire de, de multiplier en fait les, les, les différentes statistiques, on va dire, par les différentes variables et donc diviser tout ça par le nombre de valeurs. Donc là, par exemple, 12 personnes qui mesurent 176 cm et 5 personnes qui mesurent 171 cm. On multiplie le 12 par 176 et le 5 par 171. On additionne le résultat et on divise donc par le nombre de valeurs, à savoir 12 plus 5, 17. Et ça nous donne donc 174,5. Alors, ensuite, le sigma, en fait, euh, tout, tout simplement, il s'agit tout simplement euh, de euh, la définition de la, la traduction mathématique. Six, le 5 char euh, 171 euh. 6 et le 5 char. Euh, Quelqu'un qui quel a le micro allumé Ça va Bon, je pense que c'est bon. Ok. Ensuite, euh, donc, on a le sigma. Euh, donc ça signifie tout simplement euh, la somme 2. Donc ici par exemple euh, si j'ai euh, sigma de i allant de 1 à 5 pour euh, 3 fois i, et eh bien ici je vais, tout simplement faire, euh, je vais tout simplement remplacer le i par la, la première valeur, puis euh, le i je le remplace par les valeurs qui se trouvent entre donc, 1 et 5. Et donc j'obtiens 3 fois 1, 3 fois 2, 3 fois 3, 3 fois 4, 3 fois 5, et j'additionne le tout. Ensuite, donc, on a les fractions. Ici, on va voir donc, tout ce qui est majoration, rendement, TVA, ratio et euh, le taux de, de variation. Donc, déjà, les formules à savoir, ça, c'est euh, vraiment euh, obligatoire de les connaître par cœur. Ce, ce sera un peu euh, inutile d'avoir cette fiche juste à côté de nous euh, durant euh, l'examen. Ici, euh, je vais quand même expliquer un peu. Ici, on voit que c'est divisé par D et que là-haut, c'est multiplié par D, donc ça s'annule. Ici, il va. Pour, euh, pour l'addition, il va tout simplement suffire de euh, mettre tout ça sous le même coefficient. La, la seule façon de faire ça, c'est par la multiplication ou quelquefois la division. Ensuite, nous avons la euh, soustraction. C'est exactement la même chose euh, que l'addition, donc tout ça sous le même euh, dénominateur. La multiplication, c'est clairement le plus simple. On a juste à, à, à multiplier les, euh, le dénominateur et, euh, les dénominateurs et les numérateurs et les divisions euh, pareil. Il faut juste savoir changer de sens. Ici, donc, le terme pourcentage, le pourcentage en fait c'est extrêmement simple. Si on nous demande 100% d'un chiffre x, ça veut tout simplement dire que ce chiffre euh, on le multiplie par 1. Si on nous demande 90%, euh, on a juste à faire ce chiffre multiplié par 0,9, etc. etc., etc. Euh, bien entendu 0% de x, on s'en doute c'est égal à 0. Mais si par exemple euh, on, euh, on nous demande euh, j'ai un bien euh, il a perdu euh, 60% de sa valeur ça veut donc dire qu'il lui reste donc 40% donc alors au lieu de faire un moins 0,6 x on fait directement 0,4 fois x et ça simplifie la, la vie pour beaucoup de beaucoup de personnes. Ici, donc, pour le taux de croissance, le taux de croissance, en fait, c'est tout simplement la valeur finale moins la valeur initiale, le tout divisé par la valeur initiale. Euh, c'est basique, il faut, il faut se souvenir de, de, de la formule. Et, et voilà. Ça, c'est euh, euh, cette formule ainsi que le, le tableau des. Les fractions, c'est vraiment les ça fait vraiment partie du, du top 5 des choses à savoir pour ce chapitre. La majoration et le rendement, alors, ça par, par exemple, on avait eu pas mal de mal euh, en, en AP parce qu'on on savait tout simplement pas ce qu'était euh, qu'est-ce que c'était que faire un rendement, qu'est-ce que c'était que majorer. Ben maintenant, je peux vous dire que la majoration, donc, c'est le bénéfice exprimé en pourcentage à, à partir donc du prix de revient euh, qu'on appelle aussi euh, le, le prix d'achat. Et le rendement, c'est le profit exprimé en pourcentage à partir du prix de vente. Si vous avez besoin euh, euh, d'un exemple, n'hésitez pas à me, à me le dire dans le chat. Vous verrez que c'est très très simple. Et à vrai dire, bah, je, vais, je vais même vous donner un exemple maintenant. Donc, soit PV, le prix de vente, PA, c'est le prix de revient, qu'on appelle donc aussi celui d'achat. On, on vient de voir que le rendement, c'était à partir du prix de vente. La majoration, c'était à partir du prix de re revient ou d'achat. Donc, supposons. J'achète une voiture avec euh, 50 000 dollars. Donc, ça veut donc dire que on sait que, euh, que, que PA est égal à 50 000. Je revends cette voiture avec une majoration de 25 Eh bien, ici, ça veut tout simplement dire que les 25 on va les appliquer euh, au prix de vente. Ça veut donc dire que. Euh, euh, le, non, pardon. Le, la majoration, on l'applique donc au prix de revient et donc au prix d'achat. Donc, ça va donc être. Euh, si, je, si je veux faire une majoration de, 5, de 25 je vais donc faire 50 000 euh, plus 25 de 50 000. Et donc on obtient 50 000 fois 1,25. C'est comme ça qu'on obtient le prix de revient. Et on obtient donc 62 500. Ici, c'est le même schéma sur, sur le rendement, mis à part le fait qu'il ne s'agit donc pas du prix d'achat, mais du prix de vente directement. Dire que je vais faire un rendement de 25% sur un prix de 50 000 dollars, ça veut tout simplement dire que, je, que le prix de vente, en fait, euh, je voudrais que ce soit donc 50 000 plus 25% de ce prix de vente. Donc si on le met sous forme d'équation, on obtient donc euh, ça. On a juste à passer le 25%, soit 0,25 de l'autre côté. On obtient 0,75 PV est égal à PA. Et donc euh, au final, on, on, on fait euh, 50 000 divisé par 0,75 est égal à euh, 66 666, etc., etc. Donc là, vous voyez euh, déjà la différence entre les deux, même si euh, le, le calcul a l'air quand même simple. Il y a quand même une grosse différence de euh, 166,67 euh, euh, dollars. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Alors ici, on a la TVA. Donc c'est tout simplement donc le texte, euh, la taxe sur un produit, je ne vous en prends rien. Ici, donc le calcul de la, la TVA, le plus simple à faire en fait, ça va être tout simplement de faire donc, le produit en croix. Le produit en croix que, euh, je, vais, euh, que, que je vais développer un peu plus tard euh, dans cette session. Donc ici par exemple, si on vend un objet à 250 francs et qu'on sait que euh, cet objet, euh, que, que ce prix inclut euh, 20% de TVA, en fait, ce qu'on va faire, euh, l'erreur que fait euh, beaucoup de personnes, c'est dire que, euh, que, que ce prix-là, en fait, 250 francs, c'est 100%. Et en fait, non. Euh, ce, que, ce que ce que fait tout le monde, c'est ils font 250 francs est égal donc à 100% du prix, et donc le prix original sans TVA, c'est égal à 80% de ce prix. Et en fait, non, c'est pas du tout ça. Euh, ce qu'il faut faire ici, donc, c'est exactement ce qui est présenté avec le, le produit en croix. C'est donc euh, 250. En fait, il s'agit de, de 120% du prix. Et donc, nous, on va chercher les 100%. On fait donc 100%, euh, 100 fois 250, divisé par, euh, divisé par euh, 120. Et donc, on, on obtient donc que 33, 33, 33, 33 etc., etc., etc. Et en fait, alors, c'est très très simple. Il ne faut juste euh, euh, pas se, se louper. Une TVA, c'est toujours euh, un, un pourcentage... Comment dire une TVA représente toujours plus euh, que le prix d'origine, qui, euh, qui, qui donc a une valeur de, de 100% du prix. Alors ici, on a la loi exponentielle. Oui. Euh, pour la TVA, ça veut dire que si on veut changer de TVA par rapport à un pays ou à un autre, donc là, ça veut dire que dans un pays, c'est une TVA à 100 à 20%. Donc mmh. on la soustrait pour retrouver le prix à 100%, et après on additionne par la TVA dans autre pays, par exemple. Euh, oui, ouais, ouais, c'est exactement ça le, ça c'était un exercice qu'on avait eu dans, le, dans les mid term je crois et on avait aussi euh, exactement cet exercice euh, en ap en fait euh, ouais, si on nous dit donc 250 euh, on va dire 250 euros en france ouais. euh, parce que euh, faut, faut, faut surtout pas oublier que les devises peuvent changer ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte et eh bien euh, pour calculer le, le, le comment dire, la, la tva, euh, en Suisse, on va dire. Donc, euh, si j'ai euh, un objet donc de 250 euros en France et je veux connaître la TVA qu'il aurait en Suisse, et ben, il, il va falloir tout simplement déjà connaître le prix d'origine. Donc alors, c'est-à-dire que euh, 250 euros, on, on vient de voir que c'était 120%. Donc je mets le prix à 100%. Donc là, on est à 208,333. Et donc là maintenant en Suisse, la TVA elle est aux alentours de 7,7%. On arrondit à 7%. Et donc le prix avec cette TVA en Suisse, après avoir changé les devises bien sûr, mais bon on fait on fait pas ça on va on va rester simple. Ça va donc être de ça va donc être que je me trompe pas de 208,33 fois 107 divisé par 100. Et donc là on aura le prix en TVA Suisse. Ça produit encore. C'est tout bon? Nickel, merci je t'en prie ensuite donc la loi exponentielle et les logarithmes alors il y, y a énormément de personnes qui, qui, qui paniquent avec ça donc déjà ce qu'on va voir c'est rapido les, les puissances ça ça va être extrêmement extrêmement, extrêmement utile lorsqu'on va nous demander de, de tout simplement en fait dériver de, des fonctions et à vrai dire l'autre formule ici aussi c'est là en fait lorsque on va nous demander de, de dériver supposons je ne sais pas, on va dire euh, 2 divisé par euh, euh, x, puissance, euh, euh, x puissance 2, et ben en fait ça va faire tout simplement 2 fois x puissance moins 2. Et ensuite, et ben, une, une fois, une fois qu'on dérive, on obtiendra euh, moins 4 fois x puissance moins 3 ou quelque chose comme ça, je crois. Et, et donc voilà, donc, donc ça c'est vraiment un, un réflexe à connaître par cœur, c'est extrêmement utile. La, la deuxième formule qu'on voit sur la droite, celle-là, elle va être extrêmement utile aussi pour, euh, pour la calculatrice, en fait. Parce que, je, je crois, j'en doute... Euh, alors, sur les casiers vertes, on peut le faire sans trop de problèmes, mais sur les autres calculatrices, comme euh, la TI83, euh, je ne sais pas quoi, mais bon, celle-là, elle est interdite, mais sur... Euh, sur certaines de celles que l'école nous demande, on ne peut pas en fait changer la. On peut pas choisir si c'est une racine carrée, racine cubique, racine, etc. etc., etc. Et en fait, ça, par défaut, ça va être racine carrée. Donc ce qu'on peut faire en fait, c'est tout simplement euh, la racine carrée, donc c'est euh, racine carrée de x, c'est x puissance 1 sur 2, racine cubique, c'est x puissance 1 sur 3. Euh, racine, euh, je ne vais, vais pas dire euh, avec base 4, mais, mais un peu. Donc c'est tout simplement x puissance 1 sur 4 etc 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 ça aussi ça peut être très 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 utile pour euh, simplifier des fonctions et donc euh, voilà ça c'est en tout cas c'est vraiment des réflexes à avoir ici là euh, encore une fois donc euh, il s'agit des, euh, des formules donc on sait que un chiffre euh, un nombre pardon, à la puissance 1 donc c'est égal à ce même nombre. et n'importe quel nombre puissance 0 est égal à 1 euh, ici, donc, euh, on, a, on a vu pareil, euh, pareil ici pour les, euh, les, euh, les, les racines. Lorsqu'on a euh, W puissance A fois W puissance B, étant donné que W est le même, on peut faire W puissance euh, A plus B. Si en revanche, on a W puissance A divisé par W puissance B, euh, on obtient donc W puissance donc, euh, A moins B. Si en revanche, on a W A euh, puissance B, Là, ici, il s'agit donc d'une puissance d'une puissance. Et donc, on va tout simplement multiplier les, les, les deux exposants. Tout simplement. Ici, WA fois ZA, donc c'est égal à W fois Z puissance A. Et, et ouais, etc., etc., etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à, à, à se retraîner avec. Euh, et, et voilà, donc c'est... À ce stade de l'année, il, euh, il, il faut vraiment se, savoir être à l'aise avec. Alors, les astuces avec le logarithme. Et... Pardon. Pardon. <coughs> J'ai vu <laughs> de travers, excusez-moi. Et donc, ici, euh, en fait, tout simplement, euh, le problème sur les calculatrices, encore, ça, ça va être très utile c'est qu'on ne peut pas, euh, on peut pas tout le temps choisir la, euh, la base, sauf si euh, on fait une, une, une manipulation, mais on perd euh, beaucoup de temps. En fait, la, la première formule qu'on voit ici, c'est tout simplement donc, le logarithme de x avec pour base b, c'est égal euh, au, au, au logarithme de x euh, divisé par le logarithme de b, euh, du moment que, que, que ces deux logarithmes ont la même base. La base par défaut du logarithme, c'est 10, c'est celle qui serait utilisée pour les calculatrices. Ici, donc là maintenant, on va passer au ln de x. En fait, il y a énormément de, 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 de personnes qui, a, qui, qui ont peur de ce ln de x, mais en fait, c'est exactement un log. C'est tout simplement la base qui change. On passe d'une base de, de par défaut de 10 et on fait euh, basé exponentielle. Donc voilà, franchement, les, euh, les, les calculs avec le LN ou le log, ça revient exactement au même. Ils ne sont pas forcément super simples. On va voir les, euh, les différentes formules à la slide juste après. Mais voilà, vraiment, il n'y euh, a, y a, y a pas euh, de quoi s'affoler. Ici, donc là, c'est pour le. Et moi, quand je dis ici euh, euh, l'intelligence artificielle, euh, je ne vais pas dire son nom, sinon ça serait actif. Bref. Euh, oui, donc, alors, cette, euh, la, la, la troisième formule qu'on voit ici. Donc b puissance w est égal à x. Eh bien, il va, on va tout simplement essayer donc de chercher la valeur de ce w ici. On va faire euh, log de x avec pour base b. Et donc c'est comme ça qu'on on change une puissance ou un log euh, euh, d'un côté de l'équation ou d'un autre. Faut faut, 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 juste euh, vraiment commencer à, à, à s'habituer avec ça. Euh, moi personnellement, ce que, euh, ce que je vous recommande, c'est noter la formule euh, à côté euh, de mémoire dès le début de l'examen et au moment où, euh, où vous en aurez besoin, ça pourrait bien vous sauver la vie. Donc là ici, euh, euh, pareillement, on reprend les, euh, la, la même formule. Et donc, euh, si, si on applique euh, la formule euh, en haut à gauche, donc euh, b puissance w est égal à x, qui nous donne log de x avec euh, pour base b est égal à w, on, on peut l'appliquer en fait à, 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 à ln de x est égal à y, et on va tout simplement faire, euh, on, on va tout simplement passer de, de l'autre côté. On a donc exponentielle de y est égal à x. Des, et et, et lorsqu'on nous demande un, un log de x, euh, si, 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 on nous demande, euh, si on ne précise pas la base, étant donné que la base par défaut est 10, on obtient donc 10 puissance y est égal à x. Donc là, ici en bas, vous, vous pouvez voir euh, quelques, euh, quelques trucs à, à retenir. Si on a 10 euh, exposants log euh, de quelque chose, ça veut dire que euh, le, le résultat c'est ce quelque chose. Donc là, par exemple, c'est 6. Et étant donné que le log et le ln, c'est la même chose, mais juste avec pour base différente, on, on obtient donc euh, exactement la même chose pour euh, cette partie juste en bas. À droite, donc, c'est les, les règles et les propriétés à, à, à savoir. Euh, Celle-là encore, c'est vraiment pas facile de, de, de la retenir, donc je vous conseille de, de l'avoir à côté de vous euh, pendant l'examen, même si. Euh, euh, certains, certains éléments euh, font, euh, font, font pas mal de sens, c'est toujours utile en cas d'imprévu. Donc là, euh, encore une fois, je, je me répète, mais le, le, le log et le ln, euh, c'est exactement la même chose, c'est juste donc, euh, la base qui change. Quand on regarde les tableaux à droite et à gauche, euh, en fait, eh bien, ce sont tout simplement euh, exactement les mêmes, c'est juste la base qui, qui change. Que ce soit euh, log de 1, c'est égal à 0, ln de 1, c'est égal à 0. Ça, ça ne, ça ne change pas. <laughs> Maintenant, alors, pour les intérêts. Donc, euh, ici, il y a deux formules à, à, à connaître qui sont, euh, euh, qui, qui sont plutôt faciles à retenir. Donc, ça, la, on, on saura déterminer quelle formule utiliser euh, euh, lorsqu'on lira l'énoncé. À chaque fois, dans l'énoncé, il y aura « où c'est un intérêt composé »« où c'est un intérêt composé »« voilà, où c'est un intérêt composé continu » Euh, la, la différence avec le continu, c'est qu'on va utiliser l'exponentiel. On a donc la formule KT est égale à K0, donc la valeur initiale, euh, fois exponentielle, fois I. Il s'agit donc du taux d'intérêt annuel, euh, fois T, et donc ça, c'est le nombre d'années après euh, l'investissement. Tandis que l'intérêt composé, euh, aussi, euh, aussi appelé euh, l'intérêt composé euh, de manière simple, il s'agit donc de la valeur initiale euh, euh, factorisée par. 1 plus euh, le taux d'intérêt annuel divisé par le nombre de mois euh, euh, où, où l'intérêt est composé euh, et donc ça à la puissance du nombre de mois fois le nombre d'années après l'investissement et, et donc voilà donc ça c'est essentiellement cet intérêt là il est, il est composé euh, tous les mois c'est pour ça qu'on utilise ça et non pas des années <laughs> ensuite donc les équations ça on adore alors, donc déjà, on va commencer par, euh, par la fonction basique. Il s'agit donc de la fonction euh, linéaire. Donc là, ça va être une, une fonction de forme y qui est égale à, 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 à m fois x plus b. On sait, que, euh, on sait déjà que l'ordonnée à l'origine c'est b. Il s'agit de, de, de la valeur euh, pour laquelle euh, x est égale à 0. Donc on peut voir sur, sur le graphe à droite que. Le, ici, par exemple, l'ordonnée à l'origine, quand x est égal à 0, y est égal à moins 1. Donc, on sait donc que le b de cette fonction est égal à moins euh, 1. Maintenant, on a la pente. La pente, en fait, c'est euh, euh, ce qui caractérise le, le m qu'on voit ici. Donc, là, on, on suppose que, euh, ici, quand, x est, euh, quand, quand, quand on regarde le graphe, quand x est égal à 0, y est égal à moins 1. Quand x est égal à 1, y est égal à 1. Entre moins 1 et 1, on a donc une augmentation de 2 de la part du y, sachant que le x a seulement augmenté de 1. Et en fait, la pente, ça va tout simplement être de combien augmente mon y lorsque mon x augmente de 1. Et c'est en fait ce qui va nous permettre de, de résoudre ça graphiquement. Sinon, bien entendu, il s'agit donc de, de la différence d'un delta y divisé par un delta x. C'est donc le changement vertical divisé par le changement horizontal. Donc là, par exemple, ici, on voit que en. en euh, sur le graphe, on voit que quand mon x augmente de 1, mon y augmente de 2. Ça veut donc dire que la pente est égale à 2. Et donc là, euh, graphiquement, on peut déjà savoir que, euh, que, que la fonction euh, f de x qu'on voit sur le graphe, c'est égale à donc, euh, 2, euh, 2x moins 1, parce que moins 1 était donc euh, l'ordonnée à l'origine. Et donc c'est vraiment tout bête. Après, ce ne sera pas forcément possible de faire ça directement avec euh, des, euh, des, des équations quadratiques comme des, euh, des hyperboles, etc parce que là, c'est euh, quelque chose de beaucoup, beaucoup plus complexe. Euh, en revanche, on pourra faire ça avec euh, l'heure d'arrivée s'il s'agit bien d'une fonction linéaire. Donc là, ici, tout à l'heure, j'avais parlé du produit en croix. Je l'introduis seulement maintenant parce qu'il y a une condition euh, à, à remplir pour que le produit en croix marche. Ça va tout simplement être le, le, la condition de proportionnalité. Qu'est-ce que c'est que la proportionnalité Alors, je vais pas euh, vous expliquer euh, ce qu'on qu avait pu voir au, au gymnase, mais en fait, tout simplement, euh, avoir une situation de proportionnalité, ça veut tout simplement dire que la situation décrite euh, est peut-être euh, mise en forme euh, sous une équation linéaire. En effet, par exemple, le produit en croix, on ne pourra pas le faire s'il s'agit d'une euh, hyperbole, s'il s'agit d'une équation quadratique, etc., etc., etc. Donc là c'est vraiment seulement l'équation linéaire, on peut faire le produit en croix. Et ça arrive dans on va dire euh, 90% des cas, vraiment. Maintenant, on a l'équation quadratique. Là, ça devient très 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 intéressant. On a ax plus bx plus c est égal à 0. Donc ça, c'est euh, la forme de base des équations quadratiques. Euh, ici, donc euh, très souvent, on aura donc euh, cette équation est égale à 0. Pour calculer les différents X pour résoudre cette équation. On va donc tout simplement d'abord commencer par faire ce qu'on appelle le delta ou le discriminant. Il s'agit donc de B carré moins 4AC. Si cette valeur est supérieure à 0, il y a donc deux solutions. Si cette valeur est égale à 0, il y a une seule solution. Si cette valeur est inférieure à 0, pour le moment, il n'y a aucune solution. Je dis pour le moment parce que dans, si, si, vous, si vous dites ça directement à un, à, un, à un mathématicien, il vous dira que si, il y a des valeurs, mais ce n'est pas dans le domaine réel. Et ça, c'est complètement autre chose. Et vous ne voulez pas savoir ce que c'est, croyez-moi. Ensuite, donc, une fois que on a le discriminant, que euh, si, si le discriminant est égal à 0, on aura donc une seule solution possible, cette solution elle est égale à moins b sur 2a. Si en revanche le discriminant euh, ou le delta est supérieur à 0, il y aura donc deux solutions. Le premier x sera égal à euh, moins b moins euh, racine du discriminant divisé par 2a, et le deuxième x sera euh, moins b plus la racine du discriminant divisé par 2a. Ici, euh, petite astuce pour euh, l'examen. Euh, pour le moment, en parce on reste quand même sur des, des discriminants, on va dire assez simples. Ça veut donc dire que lorsqu'on va faire le, la racine carrée de ce discriminant, on va tomber sur, euh, on va très 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 souvent tomber sur une valeur euh, juste, euh, une, une valeur, euh, un, un, un nombre entier en fait. Donc par exemple, euh, tout à l'heure, j'avais fait un exercice, je suis tombé sur un discriminant euh, qui était égal à 49. Euh, c'est parfaitement possible parce que bah, racine de 49, c'est égal à 7. Euh, et, des, et, et donc voilà. Donc, si vous commencez à trouver euh, des chiffres absolument impossibles, euh, c'est que logiquement ou, euh, ou, ou du moins très très probablement il y a un, un pépin dans, dans votre calcul et il faudrait euh, revoir ça. Ensuite, donc une, euh, aussi une forme d'équation euh, quadratique qui, en fait, il s'agit exactement de, de la même. C'est juste qu'il faut connaître euh, euh, les, les solutions pour euh, pour l'équation est égal à 0, c'est A facteur de X moins X1, donc on a vu à peu près combien ça faisait, facteur de X moins X2. Et donc ça, ça, ça pourra vous permettre quelquefois de, 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 de simplifier. Lorsque vous avez ça divisé par A, vous pouvez enlever les AD directement. Donc ce sera beaucoup, beaucoup plus facile pour vous et c'est vraiment un, un plus de, de connaître celle-là. Alors ici, euh, on va parler donc euh, des points critiques. On a vu ça en microéconomie, on a vu ça en comptabilité, et euh, euh, donc là donc la, la solution mathématique en fait. Il va, on, on va donc chercher ou le maximum ou <coughs> le, euh, le, le minimum. Pour le moment, c'est encore un peu trop tôt pour euh, déduire si c'est un maximum euh, ou un minimum. On va d'abord se demander si la fonction est concave ou convexe. On va voir ça juste après. Mais dans tous les cas, le, le, le résultat, c'est égal donc à moins b sur 2a. Et donc voilà. Donc ça c'est la valeur des, des points critiques, sans savoir si c'est un maximum ou un minimum. Maintenant, donc on, va, on va parler donc de, de, de la pente d'une fonction quadratique. Et donc, ça, on appelle ça la, la tangente. Et donc, nous, nous allons voir ça juste après. Il, il s'agit donc en fait des, des dérivés qu'on va introduire juste après. Et donc voilà, Donc, si par exemple, sur ce point-là... La, la tangente est strictement négative parce que, là, on est sur, euh, sur une hyperbole euh, convexe, donc euh, euh, qui, qui fait un U, tandis que de l'autre côté, on a une tangente strictement positive parce que nous sommes de l'autre côté. alors Ensuite, il y a des principes de symétrie, etc., mais ça ne nous intéresse pas pour le moment. Maintenant, pour gagner du temps, alors c'est toujours, euh, euh, toujours mieux de les connaître, et, et c'est un plus pour euh, gagner du temps, c'est les identités remarquables. Donc là, on a A plus B. Le tout au carré, ça nous fait donc a carré plus 2ab plus euh, b carré. Si on a a moins b, le tout au carré, ça nous fait donc a carré moins 2ab plus b carré. Si on a a plus b facteur de a moins b, on obtient a carré moins b carré. Euh, sont... c'est plus facile de, 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 de passer du côté gauche au côté droit directement. Le, le, le côté droit, il est, il est assez difficile quelquefois, euh, sauf pour la dernière. Euh, à, à... À repérer, mais sinon ça, ça peut vous faire gagner du temps et ça me, personnellement ça m'étonnerait pas qu'on qu demande de, de simplifier ça pendant le test. <coughs> alors, ensuite, une erreur que, qui est faite très très souvent, comme en AP, comme en Bosque, comme partout en fait, c'est que euh, pas, euh, je ne vais pas dire par euh, fainéantisme mais par simplicité, il euh, y, y a beaucoup d'élèves en fait, qui arrondissent les valeurs alors qu'il ne s'agit pas de la valeur finale. Et ça, par exemple, ça, ça peut énormément nous, por nous porter préjudice euh, lorsqu'on va parler euh, des logarithmes, des ln, etc. Parce que euh, une simple modification de 0,001, euh, ça peut changer euh, le, le, le chiffre qu'on cherche de plusieurs dizaines d'unités. Donc, franchement, euh, si vous avez une fraction, on va dire. Euh, 10 puissance 3 et que vous n'avez pas encore 10 divisé par 3, ce qui nous fait 3,3333333 jusqu'à l'infini ce serait plus sage de la garder sous forme de fraction de faire le calcul avec et ce sera vraiment seulement le résultat à la fin qu'on pourra arrondir logiquement par deux chiffres après la virgule 3, chiffres après la virgule ou un chiffre après la virgule les systèmes d'équations, ça par contre ça fait un peu peur mais euh, très, très sincèrement, il n'y a, a pas énormément de, de raisons. Donc, les conditions donc, pour qu'un système d'équation marche, c'est que les solutions doivent vérifier toutes les équations et qu'il y ait au moins euh, autant d'équations euh, qu'il y a d'inconnues. On ne va pas, par exemple, vous demander un, un système d'équations euh, avec euh, trois, trois inconnues, avec seulement deux équations. Ce n'est pas possible euh, et, et, et on ne peut pas le, le, le résoudre. Du moins, euh, pas, pas à ma connaissance. Alors, graphiquement, lorsqu'il y a euh, deux équations, euh, euh, lorsqu'il y a un système de deux équations, on peut résoudre ce système euh, si on a la chance et, que, et si les solutions tombent sur, euh, sur, sur un nombre pile. Quand je dis nombre pile, c'est donc 0,5, 1, 2,5, etc., etc. Et donc, il, le x et le y qu'on qu cherche, il, il s'agit donc des, des coordonnées du point d'intersection des deux droites qu'on va tracer, en fait, tout simplement. Donc, alors, on va voir trois méthodes pour résoudre des, des systèmes d'une La première, c'est la substitution. Donc, la chose à faire d'abord, c'est résoudre une équation pour une variable. Ensuite, on, on substitue euh, l'expression du, du point donc, euh, dans l'autre. Ce qu'on va faire, en fait, par exemple, si j'ai y qui est égal à, euh, je sais pas, non, on va dire euh, x plus y qui est égal à 2, euh, et que l'équation d'en dessous, j'ai. Euh, j'ai x est égal à euh, y euh, plus 3. Et en fait, eh ben, tout simplement, je vais prendre ce y plus 3 et je vais le remplacer dans le x euh, de, de la première. On obtiendra une, une équation avec seulement des y. On trouvera la valeur du y et on remplace euh, le y dans, dans l'autre on pourra enfin trouver x. C'est simple. C'est pas forcément la meilleure des solutions à faire lorsqu'on a de, euh, des, des fonctions très 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 longues. Mais c'est toujours en plus de savoir ça. On a la méthode de partition. Voilà. Le, on, oui, donc alors on a la méthode de partition qui, euh, qui pour moi, je pense que c'est que c'est la plus simple. Enfin, que ce soit addition euh, ou, euh, ou multiplication. En fait, euh, il va tout simplement suffire de euh, de euh, le comment, est, comment je pourrais expliquer ça Le premier objectif, le, le, le premier objectif qu'on va trouver... On va chercher à faire, ça va être d'éliminer une variable, que ce soit x ou y. Et donc, si par exemple j'ai une équation où c'est 3x, c'était euh, plus tac 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 etc etc etc, et qu'ensuite la deuxième équation j'ai x plus tac 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 tac, ce que je vais faire, tout simplement, je vais d'abord multiplier l'équation du dessous pour essayer euh, d'obtenir 3x. Et en fait, je vais faire, euh, euh, je, vais faire euh, je vais faire donc l'équation du dessus moins l'équation euh, du dessous, ou l'inverse, bien sûr, on, on peut faire les deux. Euh, comme ça, j'aurai 3x moins 3x et ça nous permettra donc de, de, de supprimer euh, cet inconnu et on, ob on obtiendra donc une, euh, une fonction avec euh, une seule inconnue. On trouve l'inconnu euh, ici, donc ce sera donc le, le y. On trouve le y, euh, on, le, on le place à l'intérieur de, euh, de l'autre équation et on pourra donc trouver le deuxième x. Et c'est toujours important pour, euh, pour, pour vérifier, de tester les équations avec le x et le y. Maintenant, le système à trois équations. En fait, eh ben, on va tout simplement commencer par la méthode d'addition. Comme ça, ça nous permettra d'enlever euh, l'une des trois inconnues. Et ensuite, on aura donc deux équations euh, à, 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 deux, à deux inconnues. Et à ce moment-là, on pourra choisir ou la méthode de substitution ou la méthode d'addition, comme euh, on l'a vu sur les deux slides pré précédentes. Donc là, euh, euh, c'est à peu près tout donc, euh, pour le euh, système euh, de trois équations. Franchement, il y a... Euh, y a, y a grand chose euh, à avoir peur c'est vraiment juste on commence par la méthode d'addition comme ça on enlève euh, l'une des inconnues et ensuite vous verrez ça euh, ça coulera euh, comme euh, comme on veut le système d'inéquation lui en revanche il est un peu plus compliqué il est euh, il est un peu plus coriace en fait la, euh, si, si j'ai bien compris le, les systèmes d'inéquation la seule façon dont on a de les résoudre ça, ça va être euh, graphiquement ça va être graphiquement, et donc c'est pour ça que très souvent donc, euh, on trouvera des, euh, des ensembles de, de, de solutions euh, euh, avec des, des, des chiffres entiers. En fait, ce qu'on va faire, on va prendre euh, euh, la première. Donc on a euh, QO inférieur ou égal à, 5, à 580 moins 3 divisé par 5 fois Q. Et en fait, tout simplement, ça, ici on nous, on nous dit que q0 est inférieur, donc ça va être euh, euh, la partie qui se trouve en dessous de la courbe bleue. Ensuite, on nous dit que q0 est supérieur à 100, on voit le 100 ici, donc euh, ça va être la partie supérieure euh, à, à, à la courbe jaune. Et enfin, que euh, qf est supérieur, est supérieur ou égal à 300. Et donc voilà, donc on obtient, euh, euh, on obtient très souvent un triangle. Et donc, euh, les, euh, les, les différentes euh, solutions, en fait, ça, ça, ça va être euh, toutes euh, les coordonnées qui se trouvent donc, entre les points 300, 400, 800, 100 euh, et, et le point 300 et 100. Très souvent, ce qu'on va nous demander, euh, on nous l'a demandé pour le mid-term, ça m'étonnerait personnellement qu'on qu nous le, le redemande pour, euh, pour les maths. Euh, on va nous demander en fait de combien. Euh, Combien de solutions on peut trouver avec euh, un x et un y en coordonnées avec euh, des nombres entiers et Donc, euh, euh, ça peut être 1, ça peut être 10, euh, ça peut être euh, 20 solutions. Ça, ça va vraiment dépendre de, euh, de, du triangle qu'on aura. <laughs> Ensuite, alors, les dérivées. Ici, donc, on a la dérivée euh, de, 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 de premier ordre. Si la dérivée euh, d'une fonction. Est supérieur à 0, ça veut donc dire que cette fonction est croissante. Si cette dérivée est inférieure à 0, il s'agit donc d'une fonction décroissante. Et donc voilà. Donc là, par exemple, je crois qu'on a reçu un message sur le chat, j'ai un doute. Ah non, autant pour moi. Oui. Donc ici, si, oui, si, si par exemple mon x se trouve entre 0 et a, euh, on va donc dire ici que, le, que la dérivée, c'est déjà ici que la dérivée est supérieure à 0 parce que la fonction est strictement croissante. Ensuite, elle devient décroissante. Ça veut donc dire que euh, la dérivée est inférieure à 0, et donc ici euh, euh, qu'elle qu est croissante. Ici, on peut voir un truc. Euh, au point A, elle passe, de cro euh, elle passe de croissante à décroissante. Ça, ça veut donc dire que euh, forcément, la dérivée à un moment euh, est donc plate. Et, euh, et c'est à ce moment-là qu'on va trouver euh, une, une dérivée est égale à 0. C'est en fait ce qui va nous permettre de trouver euh, les, euh, les, les minimums et les maximums qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc là, ici, la dérivée de son mot d'ordre. Euh, donc, donc, ça, c'est la, la, la notation euh, euh, qu'on a ici en Suisse. Pour la dérivée de second ordre, on va faire une sorte de dé au carré à f de x divisé par d de x carré. Et en fait, ce qu'on aura donc pour cette notation, la variable qui va se trouver en bas de l'équation, donc le dénominateur, ça va être la variable avec laquelle on dérive. Ça, ça va être extrêmement utile de savoir ça pour les dérivées partielles qu'on va voir juste après. Ici, donc, si la dérivée de second ordre elle est supérieure à 0, ça veut donc dire que, euh, euh, que la pente est croissante euh, sur f et que, euh, et que f est convexe. En fait. Donc, euh, 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 convexe, ça, ça veut donc dire que, euh, que ça fait un u. On a juste à, à, à penser à la, à, la, à la prononciation du mot euh, euh, convexe. Euh, on va dire que ça, ça, euh, que ça donne le sourire. Le sourire fait un u, donc voilà, donc, euh, ça fait un u, tandis que concave. Euh, on est plutôt sur, sur une intonation euh, plutôt basse, donc on va dire euh, un aspect plutôt négatif, et donc que ça nous fait euh, un, 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 un U à l'envers. Et donc ça, c'est pour donc si la dérivée de second ordre est inférieure à zéro. Est-ce que pour l'instant il y a des questions sur les, les dérivées de second ordre, premier ordre, etc. Oh, ok, on dira pas. Magnifique. Donc, alors Ensuite, on a les points critiques. Donc Là, euh, je, je l'avais déjà dit euh, tout à l'heure. Si on a une dérivée de premier ordre égale à 0, ça, euh, ça confirme déjà notre hypothèse qu'il euh, qu s'agit bien d'un point critique euh, et qu'on a une, une dérivée de second ordre inférieure à 0. Inférieur à 0, ça veut dire concave. Ça veut donc dire que, euh, on l'aura sous la forme d'un U à l'envers. Il va donc euh, s'agir d'un maximum. Si en revanche le, la, la dérivée de second ordre euh, est supérieure à 0, ça, ça doit le sourire, euh, on, on, on va donc obtenir une, une, une fonction en forme, en forme de U. Il s'agit donc euh, d'un point minimum, et donc on a un point d'affliction. C'est lorsqu'on a ni un minimum euh, ni, ni, uh, ni un maximum, c'est lorsque la, la, dérivée, euh, la première dérivée est égale à 0 et la deuxième dérivée est égale à 0. Donc voilà. Normalement, ça, ce n'est pas encore très, très, très compliqué à retenir. C'est là ensuite que ça va devenir très intéressant. Donc là ensuite, ça, c'est toutes les formules à, à, à... Je vais pas dire à savoir, parce que très franchement, à savoir, elles sont assez compliquées, mais celle-là, franchement, si je vous conseille de, de, de sauvegarder une slide de cette présentation et de, 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 de l'imprimer, c'est probablement celle-là. On a pu le voir que sur la deuxième partie du programme de maths qu'on a fait, des chapitres 6 à 12, c est, c est, on va dire que 70% du temps, c'est sur les dérivés. Et donc, ça, euh, l'affiche à gauche euh, et les, les, les trois fonctions à droite, c'est vraiment quelque chose à, à, à retenir et à voir à, à côté de soi lors de l'examen. Donc, voilà. Ici, par exemple, euh, je vais juste euh, détailler euh, euh, rapidement ces trois-là. Lorsqu'on a f de x est égal à a, euh, c'est-à-dire que a est un réel, si j'ai par exemple f de x est égal à 1, sa dérivée, elle est égale à 0. Si, euh, en revanche, j'ai euh, f de x est égal à euh, x puissance a, euh, la dérivée, ça va donc être, euh, on va passer le a devant et on va euh, ce, ce soustraire 1 à ce a. On obtient donc a fois x puissance euh, a moins 1. Et en fait... Cette formule, euh, c'est pour moi personnellement la plus importante parce que euh, si, si on sait comment simplifier par exemple euh, U sur V, euh, si, si on arrive à mettre euh, le, 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 U, euh, au, euh, le U et le K ici au même niveau, euh, ça nous permettra en fait, de calculer toutes les dérivées euh, qui nous sont présentées sur le tableau de gauche. En fait. C'est juste que le, le, le calcul et ce calcul est extrêmement raccourci par les, euh, les, les, les formules qui nous sont présentées à gauche. Et en, enfin, donc pour la dérivée d'une exponentielle, lorsque f de x est égal à a puissance x, on a donc que la, la dérivée est égale à a puissance x fois euh, ln de a. Ça aussi, c'est euh, quelque chose à, à, à retenir. Mais encore euh, vraiment cette slide euh, pour euh, c'est vraiment plus euh, de, de, de l'avoir à côté de nous euh, lors de l'examen. Ensuite, les dérivés partiels. Alors, en fait, il y a, y, a, euh, y a beaucoup de panique par rapport à ce chapitre, mais à vrai dire, il reste plutôt simple. Il faut, euh, faut juste savoir appliquer les dérivés, connaître, euh, pas forcément connaître les formules, mais euh, euh, au moins appliquer les formules. Euh, et, et voilà. Donc ici, par, euh, ici par exemple les, les dérivés de second ordre. Ici, lorsqu'on parle de dérivés partielle, euh, c'est souvent symbolisé par le, euh, le symbole qu'on voit euh, tout, tout à gauche, euh, qui n'est plus un sigma. Euh, J'avoue que je ne me souviens pas exactement de, du nom qu'il porte. Et donc euh, lorsque je dis que je fais une dérivée partielle euh, f_xx, ça veut dire que je fais ma première dérivée euh, avec avec pour variable x et que euh, je refais ma deuxième avec encore une fois pour variable x. Si j'ai euh, f, y, y, ça veut dire en fait c'est exactement la même chose seulement mais la variable pour la première dérivée et la deuxième ce, ce sera donc euh, les, les y. Encore une fois, euh, ici en revanche là, là où ça va changer ça va être euh, euh, f, x, y. Ça veut, donc dire, ça veut donc dire que ma première dérivée, je l'ai fait avec pour, euh, pour variable x, et la deuxième, euh, j'ai changé de variable, et donc je suis passé à y. Et euh, enfin, f y x, ça veut donc dire que j'ai fait, euh, fait ma première dérivée en fonction de y, et ma deuxième en fonction de x. Et donc voilà. Donc ça, c'est euh, euh, vraiment tout simple. Ici, on, euh, on peut voir un, un, un tout petit exemple. Euh, quelle, quelle serait la différence si, par exemple, on ferait euh, f en fonction de, euh, la dérivée en fonction de x et en fonction de y Si c'était en fonction de x, donc, euh, ça voudrait donc dire que, euh, deux, que le, donc, le y n'est plus une variable et donc qu'il devient un réel. Euh, je ne vais pas dire connu parce que euh, ce n'est pas le cas, mais euh, lorsqu'on va dériver la fonction, euh, le, euh, le, le 2y cube va donc disparaître. Euh, le x ici va donc euh, disparaître. Non, 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 euh, excusez-moi. Alors là par contre j'ai l'impression qu'il y a juste une petite erreur. Ah oui non 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 non. Euh, euh, pardon, j'ai euh, inversé les, les deux formules. En fait ici euh, donc à gauche il y aura seulement le y qui, qui, qui va être euh, retenu. Tout ce qui va être euh, euh, 4x et le x à l'intérieur, on va pas forcément l'oublier, mais on va dériver en, en, en faisant en sorte que, que, que ça ce soit comme des, des réels connus. C'est-à-dire que donc quand, quand, quand on va dériver avec pour variable y, le 4x va disparaître et ce sera un peu pareil pour, pour le reste. Donc là ici, euh, euh, comme, euh, comme je l'ai dit, le, euh, le, le fait que ce soit une dérivée partielle, c'est symbolisé par euh, ce, ce signe-là. Euh, et donc voilà. Et alors en revanche, on sait que euh, la, la dérivée partielle euh, x, y c'est égal à la dérivée partielle euh, y x. Et donc ça, c'est toujours en plus euh, à savoir si par exemple on veut euh, vérifier nos, nos résultats. Je crois qu'on va utiliser la, la matrice cestienne ou peut-être la, la, la méthode de Lagrange. Je ne me souviens plus trop, euh, mais dans, dans, dans tous les cas, ça, en tout cas, ça nous permettra donc de, euh, en plus de connaître une, euh, en plus de connaître la solution, ça nous permettra donc de vérifier le calcul. <coughs> Ensuite, donc, nous avons la dérivée totale. On va suivre. Euh, ça, ça fait encore partie euh, des, des, des dérivées partielles. Là, en, en fait, il y a seulement une, une seule formule à, 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 à connaître. C'est donc la, la, la dérivée euh, de, de la fonction avec pour variable x qu'on va, qu qu va multiplier par la différence de x, euh, plus euh, la, la dérivée de la fonction avec pour variable y qu'on va, qu va donc multiplier par euh, la, la, la variation de y. J'ai variation de x et variation de y parce que euh, ça, ça va être pour, euh, pour les exercices. On va nous demander, par exemple, supposons j'ai un x. Qui passe de 1 à 1,5 et j'ai un Y qui passe de 2 à, 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 à 1,9. Donc le X il a augmenté de 0,5. Donc ça veut donc dire que. Non, le X a augmenté de 0,1, pardon. Ça veut donc dire que le, que le, le, le delta X il est égal à 0,1. Et en revanche, le, le, le Y il est descendu de 0,1. On obtient donc un delta Y de uh, moins 0,1. Et donc ça, ça nous permet donc de, uh, de, de connaître. Euh, euh, une, une estimation de la, la, la dérivée totale. Je dis, euh, je dis vraiment euh, une estimation parce que, par exemple, euh, une, des, une, des que une des questions qui nous seront sûrement posées, ça va être de d'abord euh, euh, estimer en fait, euh, la, déri la dérivée totale, estimer la variation. Donc ça, euh, euh, ça on, on aura donc euh, une estimation qu'on va ensuite revérifier en faisant, par exemple, en, en remplaçant les... Euh, les, comment dire, les, les valeurs de x et de y par les nouvelles. C'est-à-dire que on, supposons on a un x1 qui va devenir un x2, un y1 qui va devenir un y2. En fait, ça veut tout simplement dire qu'on euh, ré, on résout d'abord la dérivée totale pour x1 et y1, ensuite on, on la résout pour euh, x2 euh, et y2, et on va tout simplement euh, euh, les soustraire. Euh, euh, ce sera les résultats pour connaître la, la variation exacte. Et ensuite, euh, très souvent, la dernière question, ça, ça va être euh, euh, calculer euh, le, le, le taux d'erreur, etc. Et en fait, là, tout simplement, on va donc calculer le taux de variation entre notre estimation euh, et, euh, et, et ce qui nous est demandé. Et ça, et ça va donc nous donner donc, le bon résultat. Ici, par exemple, donc là, on a... On on a donc fait euh, un, un exemple, donc si par exemple z est égal à x fois y moins 5x plus euh, 2y, euh, on, va, on va donc déjà nous demander d'estimer ça au point 2 euh, et au point 6. On va donc faire la dérivée en fonction de x, on va donc faire la dérivée en fonction euh, de y, puis ensuite on va, euh, on va, on va multiplier ça donc, par la variation de x. Ici on, nous dit, ah voilà. ici on nous dit que le x diminue de 2 à 1,9. Ça veut donc dire que la variation de x euh, est égale à 1. Euh, que la variation de x est égale à euh, moins 0,1. Ici on nous dit que le y augmente de 6 à 6,1, ça veut donc, donc dire que la variation de y est égale à 0,1. Euh, les dérivés en fonction de x et de y, euh, on, on a pu les calculer. Ici c'est égal à 1, ici c'est égal à 4. Et donc on va tout simplement faire 1 fois moins euh, 0,1 plus 4 fois 0,1, on obtient euh, 0,3. Maintenant, ensuite, ce qu'on va faire, on va voir ça sur le slide suivant. On va, on va calculer en fait euh, la fonction pour les premières valeurs de x et de y. Puis ensuite, on va euh, calculer la fonction après leur diminution euh, ou leur augmentation et on obtient donc une différence de 0,29. Il faut se souvenir que donc, donc notre estimation était à 0,3, ce qui est quand même assez proche, ça, ça, ça reste cohérent. Encore une fois, c'est l'une des façons de, de, de savoir si, si vous avez fait une erreur ou non. Et donc enfin, le taux d'erreur qu'on va donc nous demander, c'est valeur finale, donc 0,3, moins valeur initiale, moins 0,29, divisé par valeur initiale. Euh, 0,29 euh, ouais, euh, divisé par 0,29, ce qui nous donne donc un taux d'erreur de 3,45%. Donc voilà. En soi c'est euh. C'est ouais. euh, euh, une question, est-ce que tu expliques ce taux d'erreur entre euh, la façon de calculer par les dérivés partielles ou bien juste en remplaçant euh, alors... dans ton code mmh. ton... quoi oui, alors le, euh, ce, ce, ce taux d'erreur, je vais pas t'en mentir, je ne euh, je, je, je l'explique pas, tout simplement parce que je crois que c'est comme ça que, euh, que, 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 que Mme Kiss euh, ou M. Couty veulent euh, qu'on fasse. C'est euh, Je crois que c'est tout simplement pour, euh, pour, nous, euh, pour nous exercer. On va d'abord nous demander d'estimer ça, puis trouver la valeur exacte et estimer le, le, le taux d'erreur. Pourquoi, je ne sais pas, c'est c'est l'exercice. Parce que s'il n'y a pas d'arrondi ou quoi qu'on a fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un tour d'erreur, tu vois. Mmh. C'est pour ça qu'on va utiliser la méthode, tu vois, mais ça paraît un peu bizarre. Oui, euh, ouais, parce que. Non, parce qu'en fait, c'est une estimation, et puis c'est pas la valeur réelle, et vu que tu dérives, tu perds ah. des données. Exactement, c'est ça. Ah ouais, tu perds des données quand tu dérives, c'est juste. Voilà. Ah ouais, bien vu, bien vu. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions ou pas Je vais voir juste rapide sur le chat. Ok, très bien. Donc parfait, pas de questions. Maintenant, on va passer, on va passer donc à, à, à l'optimisation qui personnellement je pense que c'est l'un des chapitres les plus compliqués de ce qu'on va pouvoir faire cette année. Il faut vraiment rester à, rester à l'affût et extrêmement concentré pour ça. Donc alors ici... Donc on va revenir donc sur euh, les points critiques. Donc, On, on sait qu'un que qu qu point est critique lorsque la dérivée en ce point euh, est égale à 0, et donc euh, que, que, que sa pente est plate. Donc, On peut le voir ici donc, pour la fonction euh, f de x. On voit 1, 2, 3, 4 points critiques pour lesquels donc, la dérivée est égale à 0. Maintenant, si on nous demande ça euh, avec euh, deux variables, c'est pour ça qu'il était très important de, de voir d'abord les, les, les dérivées partielles juste avant. Euh, en fait, eh ben, on ne va pas parler tout simplement euh, de X et de, de Y. On ne va pas parler de courbe, mais on va, on va parler euh, directement de plan. En fait. On va donc avoir euh, un, un, un résultat en 3D. Si vous voulez vous entraîner, vous pouvez faire ça sur, sur Excel. Vous avez une fonctionnalité sur laquelle vous pouvez avoir des plans, etc. C'est assez chaud à utiliser, mais, euh, mais, mais, mais on ne sait jamais. On a, on a, on a peut-être des génies ici. Et donc voilà. Donc ici, donc, le point critique euh, lorsque le plan est plat. Parfait. Ensuite, donc, le, on, va, on va donc euh, chercher le, donc, le, le, le déterminant epsilon de la matrice hessienne. En fait, ce qu'on va faire avec euh, cette matrice, c'est qu'on va faire euh, la, la dérivée donc, euh, de la fonction, euh, on va faire fxx -x, euh, fois euh, fyy -y moins euh, fyx fois euh, fyx. Euh, seulement, on sait que f, y, x et f, x, y, c'est égal à la même chose. Donc, il suffit tout simplement de, de, de faire cette valeur au carré. Et voilà. Donc là, c'est comme ça qu'on obtient donc le, 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 dé le déterminant h. Est-ce que c'est OK pour tout le monde ou est-ce qu'il est qu y a besoin que, que j'explique encore OK, parfait. Parfait. Donc alors ici maintenant il va falloir classifier les points critiques. Ça par contre c'est, euh, c'est, euh, faut, faut vraiment essayer de, de, de retenir ça. Personnellement je l'ai pas encore retenu et euh, et, et, et c'est vraiment euh, quelque chose à faire parce que ça ça, ça va un peu former la, la conclusion de tout notre développement après les dérivés partielles, après euh, les, euh, après avoir trouvé les différents points, euh, les, les différents points critiques. Il va donc falloir les interpréter et donc les classifier. Lorsqu'on a la, la, la lorsqu on a f, non, si, non, si, euh, lorsqu'on a la seconde dérivée qui est supérieure à 0, donc il s'agit donc euh, d'un minimum, parce que euh, lorsqu'il euh, lorsqu s'agit que d'une seule variable, euh, lorsque c'est supérieur à 0, donc on, euh, on a vu, on est content, donc c'est positif, donc c'est convexe, le sourire, le U. Si c'est inférieur à 0, ça devient un maximum. Euh, et si, euh, si, si cette dérivée de second ordre est égale à 0, on atteint donc le point d'inflexion. Maintenant, si on a deux variables, si euh, euh, epsilon est supérieur à 0 euh, et, euh, et, que, et que fxx est, est supérieur à 0, on obtient donc euh, un, un minimum. Si en revanche on obtient epsilon supérieur à 0 mais fxx inférieur à 0, on obtient donc euh, euh, un, un, un maximum. Donc ça, c'est... Euh, c'est vraiment en accord avec ce qu'on a vu lorsqu'il y avait une seule variable. Si en revanche, epsilon est inférieur à 0, on obtient donc un point seul, et s'il est égal à 0, on n'a aucune information sur ce, sur ce sujet. Ça, c'est vraiment important de, de, de connaître et de comprendre, donc parce que ça, ça, ça formera donc notre, notre conclusion le, lors des exercices. Si on vous demande de, de, de rédiger un, un, un gros truc, peut-être pas sur LMS, peut-être plus tard, mais voilà. C est, c est, ça va être le, le, la, la touche finale. Euh, donc, alors, ça, encore une fois, c'est vu. Euh, je vous ai je vous, je juste remis si, si vous avez encore besoin de, 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 de regarder ça. N'hésitez pas si vous avez des questions encore. Maintenant, on passe à l'optimisation sous contrainte. Maintenant, l'optimisation sous contrainte, il y a deux méthodes. Il y a la méthode par substitution et il y a la méthode de Lagrange. En fait, la méthode par substitution, on va donc euh, obtenir donc deux. Euh, oui, ça. On va donc obtenir euh, deux, deux, un système à, à un système de deux équations à deux inconnues. Ici, par exemple, euh, la, la première fonction qu'on voit ici. En jaune, ça va être donc la fonction optimisée, et la deuxième, ça va être euh, euh, la, la contrainte. Donc, si par exemple, on nous dit, euh, je ne sais pas, on a une fonction euh, avec un prix, une quantité, etc., etc., et on nous dit que la quantité doit être au minimum de ça, et, euh, euh, et mais en revanche, on ne peut pas dépasser 100, et bien euh, cette, cette fonction, ce, ce sera donc notre contrainte. Ici, ce qu'on va faire. Tout simplement, on va prendre euh, euh, ou la fonction optimisée ou, euh, euh, ou, ou la fonction contrainte. C'est toujours mieux de prendre la fonction euh, contrainte. Comme ça, ça nous fera gagner énormément de temps parce que les valeurs qu'on cherche se trouvent donc dans, dans la fonction optimisée. Donc on prend la fonction contrainte. Et ce qu'on va faire, c'est que on va. On va... Alors excusez-moi, il y a un truc un peu bizarre. Ok. Ok, maintenant ouais, c'est autant pour moi. Donc euh, ce qu'on va faire en fait, tout simplement, ça va être... Euh, euh, on, va, euh, on, va, on va mettre la fonction qu'on traite ici, par exemple, en fonction de Q2. On obtient donc euh, ce qu'on a à gauche, donc Q2 est égal à 100 moins, euh, 100 moins 2 fois Q1. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer donc, euh, 100, 100 moins, moins 2 Q1, euh, on, on va remplacer ça dans la fonction optimisée. Et donc, on, a, on aura donc ça, euh, facteur de Q1, et on obtient donc euh, que, que le coût est égal à 100 Q1 moins 2, euh, moins 2 Q1 au carré. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est la méthode de par euh, euh, substitution. Et au final, eh ben, on, on obtient tout simplement. Euh, euh, on, on, on peut déjà euh, calculer ça si on veut, par exemple, que, euh, que, que le coût soit, soit égal à 0. Dans ce cas, on, on refait le discriminant on trouve les différentes valeurs de x, etc. etc., etc. Maintenant, si on, maintenant, si on cherche à, à maximiser cette fonction, donc, euh, déjà, on va d'abord vérifier que, que c'est un maximum. C'est-à-dire donc on va donc faire la dérivée de premier ordre de cette fonction. Si, si, on trouve, euh, si, on trouve, euh, si on trouve une dé dérivée euh, su supérieure à 0, ça veut donc dire qu'elle est convexe et donc c'est un minimum. Si elle est inférieure à 0, elle est donc concave. Donc euh, 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 Petit rappel, donc c'est un, un, un U à l'envers et ça va donc être un maximum. Et donc, et donc voilà, donc, comme ça on, on sait déjà que, que, que c'est un maximum. Ensuite on peut faire euh, moins b sur 2a, on peut faire euh, les, les différentes techniques qu'on a vues pour retrouver le, le maximum. Mais euh, en tout cas le résultat ne change pas. On trouvera donc que q1 est égal à 25 et q2 est égal à 50. Donc voilà, ça c'était la méthode de substitution. Maintenant on va parler de la méthode de Lagrange qui par contre est euh, un peu plus complexe. Donc pareil, on a toujours la fonction à optimiser, on a la fonction à contrainte, euh, on, a, on, a, on a la fonction contrainte. Et là en fait, ce qu'on va faire, c'est que la fonction de Lagrange, donc c'est euh, L de x, y. Donc c'est égal, euh, égal à la fonction à, à, à optimiser euh, comme, euh, comme elle est écrite telle quelle moins euh, alpha facteur donc de la contrainte moins c. Et en fait, moins euh, euh, C fait partie de, de la fonction à contrainte. C'est juste que, euh, comme on peut le voir dans, dans, dans l'énoncé qu'on voit ici, le C, on l'a mis de l'autre côté. C'est pour ça qu'on a euh, G de X et Y moins C. Euh, et voilà. Et donc, ça, 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 ça symbolise donc la, la, la fonction de contrainte. Et donc, ensuite, on résout ça avec, euh, euh, avec le système. On va faire euh, la dérivée de L. Euh, en fonction de, de, de x est égal à 0, la dérivée de l avec pour variable y est égal à 0, la dérivée de, de l avec pour variable alpha est égal à 0, euh, euh, même même si on ne connaît pas alpha. Ça, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc là, maintenant, on va on va faire une, une petite application euh, rapidement. Donc, ça, le, ce qu'on voit en jaune ici, c'est la, la fonction optimisée. Ici, le. Euh, ici 2 Q1 plus Q2 euh, il s'agit donc euh, plus Q2 est égal à 100 il s'agit donc de la fonction contrainte. Ça veut donc dire déjà que la contrainte le son on va le mettre de l'autre côté comme on peut le voir ici. Et maintenant on va pouvoir remplacer ça euh, dans, dans, dans l'équation. On va faire euh, la dérivée euh, de ça est égale à 0. On obtient donc q2 moins 2 α est égal à 0. Maintenant si, si on fait ça pour, euh, pour Q2 on, on obtient donc Q1 moins alpha est égal à 0 euh, et donc, si, si, si le alpha on le place de l'autre côté, on obtient donc alpha est égal à q1. Euh, ici, on, on a vu en haut qu'on avait moins 2 alpha, on ne connaît pas la valeur de alpha, mais maintenant on sait que c'est q1. Donc, on peut faire q2 moins 2 euh, euh, moins q1. C'est exactement ce qu'on obtient ici. Euh, et donc, que, on, on sait que, que q2 est égal à 2 q1. Et maintenant, enfin, euh, on va pouvoir utiliser donc la, la dernière. Il s'agit donc de, de la fonction. L. Euh, donc, la fonction de Lagrange euh, et sa ça, ça dérivée en variable euh, avec pour variable euh, alpha, et donc euh, ici on va tout simplement supprimer l'alpha. Euh, il y avait un moins devant, donc euh, l'alpha est tout simplement supprimé. C'est comme si euh, si on avait euh, euh, comme si alpha était, était égal à 3 et qu'on avait moins 3, euh, non. C'est comme si on avait alpha est égal à x et qu'on avait moins 3x, la dérivée c'est moins 3. Donc c'est exactement ce qu'on a fait là. Et on a donc trouvé en bougeant un peu les calculs, q1 est égal à 25, q2 est égal à 50. Ensuite, enfin pour finir l'intégration. Ouais. Juste une question pour Lagrange, la à ce qui paraît c'est pas c'est pas fortement utile enfin genre c'est utile oui mais on n'est pas obligé de la savoir par cœur genre ils peuvent pas nous demander à l'examen des choses guide de méthode c'est juste alors je si faux par rapport à ça Très franchement, euh, ça ne m'étonnerait pas qu'ils nous demandent euh, d'utiliser la fonction de Lagrange euh, pour, pour l'examen, parce que de toute façon, on cherche juste euh, Q1 et Q2. Donc, c'est vrai qu'avec la méthode de substitution, c'est celle qu'on connaît tous, on est déjà habitué avec. Donc, c'est clair que de, de notre part, ce serait déjà plus malin. Après, s'ils nous demandent de faire ça avec la fonction de, 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 de Lagrange, de toute façon, euh, ça, ça reste entre nous, mais il n'y aura aucun moyen de, de, de le vérifier si c'est la méthode de substitution ou la méthode euh, de, de, de Lagrange. Comme on peut le voir, on a trouvé Q1 égale 25, Q2 égale 50. Donc, euh, vraiment, c'est euh, vous qui voyez, vous qui voyez avec, euh, avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Parce que le résultat, on va, on va le retrouver tout seul. On ah, le retrouve le même, je crois, à chaque fois. Alors, le, que... la, la fonction de Lagrange, j'avoue que je ne sais pas encore euh, à, à quel moment elle pourrait être euh, très utile. La... Ouais, ils, ont... ils avaient dit que c'était trop compliqué pour l'examen hein, et puis que voilà quoi. Ouais, ouais. Alors parce... après, ouais, ouais, non non, non c'est que... vraiment très spécifique la grange, c'est vraiment ouais, un ouais. donné en particulier et puis ils demandent pas ça. T'sais. Exactement, quelque chose. Euh, Donc voilà, donc c'est franchement je vous dis, c'est juste un plus euh, de la connaître. Euh, vous avez juste euh, à, à retenir donc euh, l'équation de la fonction euh, de la grange. Donc, c'est f moins alpha euh, euh, fois, fois, fois la fonction euh, contrainte. Et ensuite, et donc on, on, on fait les différentes dé dérivées avec euh, pour, pour variables les trois différentes inconnues. Et voilà. Mais c'est vrai que, euh, très sincèrement, la méthode de par substitution, on le voit déjà de comparaison entre ici et ici, la méthode de substitution est déjà bien plus simple. Après, bien sûr, euh, il faudra faire très attention à vérifier qu'il s'agit d'un maximum. Euh, et donc euh, que, euh, que, que, que la dérivée de second bon ordre est bel et bien euh, inférieure à zéro pour obtenir euh, une fonction concave. Ça marche. C'est tout bon Parfait. Maintenant, allez, à la fin le, les intégrations. Donc en fait le concept c'est tout simplement j'ai une fonction x, euh, euh, non pardon j'ai une fonction f, je, je fais sa dérivée f prime de x. Et ben maintenant ça, ça va tout simplement être euh, on connaît f' de x mais on cherche f de x et donc on va chercher donc son intégration qu'on appelle aussi euh, la, la primitive et ça va être donc hein, une sorte de, de, de retour en arrière. Donc ça, ce qu'on qu voit ici, c'est donc l'annotation des, des primitives. Vous n'avez pas forcément à le savoir pour l'examen, mais si à un moment on vous demande de faire quelque chose, de rédigé, ça peut être le, le cas si, je ne sais pas, pour les, les statistiques qu'on aura en basque 2, en basque 3. Si c'est des examens à papier, donc ça c'est toujours en plus pour savoir. Euh, voici l'annotation ici. Euh, donc ça va être une sorte de, 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 de S assez énorme. Euh, avec la, la fonction à, euh, à, à intégrer suivie de DDX et donc euh, ça nous donnera donc euh, sa primitive plus attention plus une constante euh, d'intégration euh, mais euh, que qu'on qu va très souvent ignorer pour le moment parce que la, la constante d'intégration on n'a pas encore les, euh, les, les moyens pour euh, pour la trouver sauf si bien sûr on nous dit que, euh, que, que la fonction d'origine donc, euh, celle qu'on cherche euh, lorsque x est égal à 0 y est égal à 1 dans ce cas ça voudrait donc dire que c est égal à 1 et donc voilà donc que ce soit que ce soit par écrit euh, ou par euh, graphique euh, on peut connaître le c mais euh, il nous est impossible de, 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 de le calculer pour le moment donc voilà Ensuite, donc là, c'est toutes les formules à savoir pour euh, pour les euh, les intégrales. C'est vrai que euh, vu comme ça, ça fait un peu peur, mais encore une fois, ce que je vous conseille, c'est sauvegarder euh, cette slide. Vous prenez une capture, euh, vous vous l'imprimez. La la partie en bas à droite, donc le, euh, tout ce qui est avec le cosinus, le sinus, etc. Euh, ça, ça on s'en fiche parce que c'est c'est en rapport avec euh, c'était en rapport avec le baccalauréat scientifique, avec les spé Donc ça, c'est c'est encore très, très loin. Donc, c'est vraiment les, la première partie. Et, et donc, voilà. Alors, après, maintenant, l'intégration, les intégrales les primitives, ça va nous permettre de faire quelque chose qui est, en revanche, extrêmement utile. Ça va nous permettre, en fait, de calculer l'air sous une courbe. Je dis bien sous une courbe et non pas au-dessus d'une courbe parce que ça, ça, ça va, algébriquement, ça va donner une certaine différence. Si, par exemple... Attends, voilà. Si par exemple j'ai une courbe, euh, euh, celle qu'on a ici. Donc euh, ici la fonction c'est, euh, 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 la fonction c'est euh, c de q est égal à euh, q au carré. En fait, eh ben, on va tout simplement faire. Attendez, alors, excusez-moi, il y a un truc bizarre. Il y a un truc qui est pas vraiment logique. Ouais bon, ok. En fait, euh, ce qu'on euh, ce qu'on qu va faire ici, euh, euh, bon, voilà. on, on cherche l'air en fait euh, sous... Euh, sous euh, le le, le coût marginal est égal à 2Q. On cherche l'air euh, entre les points 500 et les points euh, 1500. En fait ce qu'on va faire, au lieu de faire donc, 500 fois 1000, ce qui nous donnerait euh, l'air du tri, euh, du rectangle ici, plus... Uh, 5, uh, uh, 1500 moins 500 uh, fois uh, uh, 3000 moins 1000 divisé par 2. En fait, eh ben, ce qu'on va faire tout simplement, on va donc faire uh, son intégrale et on va donc uh, uh, calculer l'air qui se trouve juste ici. Et ça, ça va être tout simple. Alors, je vais vous montrer d'autres exemples parce que celui-là, j'avoue qu'il n'est pas très clair. Voilà, c'est bien après. Donc là, ici, uh, uh, juste avant. Donc on a, on a plusieurs types euh, d'intégrales. On a d'abord l'intégrale euh, définie qui va être en fait euh, la, la, la plus simple. Si on a une intégrale euh, d'un point A euh, à, à un point B plus une autre euh, intégrale qui, euh, où il s'agit de la même fonction d'un point B à un point C, et bien en fait ça va être tout simplement l'intégrale de ce point A au point C. Et donc euh, ça va être euh, euh, ça va être à peu près la même chose euh, pour tout. Donc là par exemple si on cherche euh, euh, l'intégrale entre un point A et un point B, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire l'intégrale euh, euh, au, au point B, moins l'intégrale au point A. Et il euh, euh, faut savoir que le point A et le point B sont donc appelés les, les limites de, de, de l'intégration. Ça, ça ne sert à rien d'utiliser la constante C parce que euh, dans, dans, dans tous les cas euh, elle va, elle va s'annuler. Donc si c'est euh, grand F de X moins C. On aura par exemple le grand F de B moins C, moins grand F de A plus C. Alors. Et donc, c'est pour ça que le C va s'annuler. Donc là, il ne sert strictement à rien. Donc, c'est vraiment les, les, les intégrales. On prend la valeur de B, on la soustrait à l'intégrale avec la valeur de A, et on aura donc la valeur qu'on cherche. Ici, donc, voilà quelques exemples. Faut savoir que pour que pour l'air marche, euh, il va il va nous falloir euh, déjà être sûr que la fonction euh, n'est pas inférieure à zéro. Euh, si euh, si, si, euh, si elle passe en dessous de zéro, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une sorte de de, de de recto verso avec pour axe symétrie, donc euh, euh, la, la 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 ligne des abscisses, et on va euh, euh, on va on, on va retourner la fonction parce que le problème c'est que si, si j'ai une fonction euh, euh, qui, euh, qui est supérieure à 0 au début, mais qui est inférieure à 0, euh, euh, supposons entre A euh, et 0, elle, elle est supérieure à 0. Si entre euh, X est égal à 0 et X est égal à, à, à B, euh, elle est, euh, la fonction passe en dessous. Le problème, c'est qu'on va se retrouver avec une R positive euh, euh, moins une R négative, alors qu'on veut calculer euh, euh, l'R globale. Voilà, donc euh, c'est. Euh, c'est un peu chaud à comprendre, mais, euh, mais franchement, avec la pratique, ça viendra tout seul. Donc là, ici, on, on nous demande de, 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 de trouver x, la primitive de x carré moins x plus exponentielle de x entre euh, 0 et 1. Donc eh ben, on, va, on va tout simplement faire. Euh, euh, ouais. Euh, donc, pardon, on va tout simplement faire donc un tiers de euh, x euh, de, de x cube, euh, moins 1 sur 2 de x carré, plus exponentielle de x, et donc on, on va remplacer le x par 1, euh, et, et on va le soustraire par euh, 0. Euh, on va le soustraire par euh, la même, mais seulement avec le x est égal à 0. Donc là, par exemple, ce qu'on peut faire, euh, si supposons on fait ça euh, rapidement de tête, si je remplace x par 1, donc ça, ça donne 1 sur 3 moins 1 sur 2, parce que je remplace euh, x par 2, euh, euh, parce que je remplace x par 1, pardon, euh, et que 1 au carré, bah, ça fait 1. Donc on a 1, euh, 1 tiers moins 1 demi euh, plus euh, exponentielle de 1. Donc on obtient donc, euh, euh, ça, donc ce qu'on qu a, qu a en jaune. Tandis qu'ensuite, si je le soustrais à la, à la même équation, mais que je remplace les x par 0, Là, euh, euh, j'ai ça fois x, ça fait 0, j'ai ça fois x ça fait 0, j'ai exponentielle de x euh, 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 pour x est égal à 0, ce qui me fait exponentielle de 0, euh, et, et on s'en souvient, exponentielle de 0 est égal à 1. Donc en fait, eh ben, je vais avoir donc, 1 sur 3, moins 1 sur 2, plus e euh, moins 1, et donc ça, ça va donc, nous donner 1,55 à la calculatrice. Euh, oui, et donc alors ça c'est euh, exactement ce que, ce, ce, ce que je disais avant, une aire ne peut pas être négative. Donc euh, ce qu'on va faire, c'est que on va, euh, si, si on a la, la totalité de la fonction qui est en dessous euh, de 0, on va tout simplement calculer cette R euh, et on va en faire la valeur absolue. Si en revanche j'ai euh, donc une R euh, euh, au départ qui est au-dessus de 0 et en dessous qui est inférieur à 0, on prend l'R inférieure à 0, on fait la valeur absolue et on additionne les deux R. On obtient donc l'R totale. Voilà. Alors ça c'est l'usage en économie. Euh, l'usage en économie. Donc euh, alors pour le moment c'est très facile parce que euh, il ne s'agit de droite. Donc euh, ça va ça va nous permettre de calculer le surplus euh, des consommateurs, des producteurs. Pour le moment, très sincèrement, étant, étant donné qu'il s'agit de droite c'est pas très utile. On peut encore utiliser euh, ce qu'on euh, ce, ce, ce qu'on connaît déjà avec euh, euh, avec les solutions graphiques. Donc on calcule l'air à la main. Là, par exemple, si je veux calculer le surplus des consommateurs, ça ferait euh, euh, 50 moins, moins 30 donc 20 ici j'ai fois, fois 10 donc j'ai 20 fois 10 qui nous fait donc 200 et je fais diviser par euh, euh, je fais ça diviser par 2 parce que c'est un triangle ce qui nous donne donc euh, 200 divisé par 2, ce qui nous donc ce qui nous donne donc 100 et si on trouve donc un surplus de 100 si maintenant je veux appliquer ça avec les primitives les intégrales etc et ben je vais tout simplement faire euh, euh, ben en fait ben c'est c'est ça que, que je veux calculer et en fait, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ici Ils avaient. Oui, ok. Et en fait, alors, ce qu'ils ont fait, euh, donc le, le surplus du consommateur, en fait, on veut juste euh, la partie bleue. On va faire, donc, on sait que euh, ici, euh, voilà, on sait que ici, euh, euh, la, la fonction, donc c'est p est égale 50 moins 2q. Donc, on va, faire, euh, euh, on va faire la primitive euh, de, de, de celle-ci. On obtient donc 50q euh, moins q. Et donc on cherche entre euh, on cherche entre 0 et 10. Et donc on va faire 50q moins q carré en remplaçant q par 10. Ce qui va donc nous donner euh, 500. Non non non. Euh, ce qui va donc nous, nous donner 500 moins 100. Ce qui va donc nous donner 400. Et ensuite je remplace q par 0. Et euh, mais là j'ai 50q moins q carré. Donc si j'en place q par 0, ça nous fait donc 0. Euh, donc voilà. Donc ça j'ai euh, j'ai 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 l'air euh, euh, sous les points euh, de Q est égal à 0 et Q est égal à 10. Maintenant, je vais supprimer euh, le, le, le rectangle qu'on a ici. En fait, euh, tout simplement, ce que je vais faire, là, il n'y a, a, a pas besoin de, de, de connaître une courbe, on fait tout simplement euh, euh, 30 fois, fois 10 et euh, ça nous fait 300. J'avais 400, le rectangle a euh, une R de 300, je fais 400 moins 300, j'obtiens 100 et on obtient exactement ce qu'on avait calculé là avec euh, la méthode simple. Donc là, on avait de la chance parce qu'il s'agissait de droite. Euh, maintenant, ça va se corser un peu si on a des courbes. Et donc là, ici, si, euh, là, ici supposons que je cherche le, le surplus des producteurs. Donc en fait, ce qu'on va, ce qu va euh, me, me, me demander. Donc ce que, ce que je vais faire ici, c'est que je vais d'abord calculer euh, l'air qu'il y a dans le rectangle en entier. Donc je vais faire euh, 103 fois Q. Ce qui va donc nous faire 1330 euh, moins en fait, euh, l'air qui, euh, qui se situe donc sous la courbe, euh, entre les points q est égal à 0 et euh, q est égal à 10. Et donc on sait que, euh, que la courbe S a une équation de 3 plus euh, Q carré. On va faire donc la primitive de ça. On obtient donc 3Q plus euh, 1 sur 3 Q carré. Euh, on, on veut, on veut l'air entre les points 0 et 10. Donc je vais d'abord remplacer le euh, je vais prendre donc 3 Q plus 1 sur 3 Q, carré, euh, Q cube pardon, euh, en remplaçant Q par 10 puis en remplaçant Q par 0 Quand Q est, euh, est remplacé par 0 euh, bah ça va nous faire 0 donc euh, genre, le résultat que, que je cherche donc c'est juste quand, quand Q est remplacé par 10, j'obtiens 30 plus 1000 divisé par 3, ce qui est égal à euh, 363,3 Or, euh, on a vu juste avant que euh, l'aire du rectangle euh, total, c'était donc 1030. Je vais donc faire 1030 moins 363,3. Et j'obtiens donc sur plus de 666. Et donc voilà, en fait, c'est euh, euh, vraiment tout simple. Donc voilà, on a, on a terminé euh, euh, toute la théorie vue depuis le début de l'année en maths. J'espère que ça vous a aidé. Euh, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Si, si, vous, euh, si dans les jours prochains vous avez des problèmes de maths euh, que, que vous n'arrivez pas à résoudre ou que vous avez besoin d'un coup de pouce, euh, vous avez juste à, euh, à, à m'envoyer un message et, euh, et, et je saurais apprendre. Est-ce qu'il y a des questions non, Merci, Guillaume. Bon, surtout qu'on n'était pas au Merci, euh, chef. <laughs> oh, bah, ah ouais, ah ouais en, en fait, on est juste deux. Ouais, ouais. <laughs> ouais, j'ai perdu merci, merci beaucoup je vous en prie les gars bon, 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 merci. bon courage bonne, bonne chance ça marche. ciao bonne chance bonne chance pour demain et n'hésitez pas surtout merci ciao les gars.